Le drame s'est produit dans une carrière illicite située derrière le centre-ville de Colésie, à proximité des Comus. Dans leur quête des sables jaunes, des jeunes ont creusé jusqu'à une profondeur de 6 mètres, négligeant les normes sécuritaires. Au moment où ces deux creuseurs chargeaient un camion, une paroi s'est effondrée par manque de résistance. On est quoi depuis 9h. Pourquoi camion, moi, pourquoi pas les couper par sable? Bon, on a chaque sable, on a chaque sable. Moi, je fais un coucata sable, on a camion, on est en camion, on a bébé. Au camion, on a coupé, on a beaucoup distrait, on a coupé, on a tout qui est bon, qui n'a pas fini. On veut qu'il n'a pas fini, par quoi, des mouzakas qui sont bien, on a un mouzak qui est en bam. Maintenant, les mouzakas qui sont en bam, on a un mouzak qui est un peu rapide, on a un sakasaka. Informée du site catastrophe, Françoise Mangouéji, bourgmestre de Dilala, s'est rendue sur les lieux en mobilisant les moyens nécessaires en vue de déterrer les corps de l'infortuné. Après plusieurs tentatives, la dépouille a été retrouvée. L'officier de la police judiciaire ayant fait les constats, les corps a été acheminé à la morgue de l'hôpital général de référence Mwangeji. Angé Mukuya va seconder, va s'endouler dans la présence du bourgmestre et a dit là, je vais en fonger, après on va ça va nous toucher ça. On va dire Eric na Ndende. Eric en jour va qui a Mubulongo, maintenant pas en jour va nous toucher en présence du bourgmestre. Ndende, jour leur tangura kutoka déjà va rompre les gars comment Mwangeji, va on a ça quoi qu'on a vu, va appeler le médecin peut-être. La famille est inconsolable. Jina Ken Kasongo Banza. Anatumikaka mu niveau ka refulu mu mchanga. Bar tuita na shie kia sense ndoko ina shafanya bulema bar nliza parce que mimi natukaka ni ngambo ngina mba samule mimi natumikaka shikala kimu. Joba na insone ku telefone njoo ku hapa effectivement basha kutosha kama ni wa kwanza mimi shumfamie joba na sendu kwangu njoo ku chini njoo mimi naanza fanya intervention mie mkumusaka eko na bibi na batoto set. Beaucoup sollicité dans la construction en Colésie, les sables de ces sites provient des rames bleues de l'entreprise Comus et donc présente toujours des dangers d'effondrement.